All power to the people. 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 Ce soir pour un débat inédit. Alors, on a été plusieurs proches de l'association de Mille Plateaux à avoir envie de provoquer la rencontre entre Isabelle Stengers, philosophe belge enseignante à l'Université libre de Bruxelles, et Ouria Boutelja, porte-parole du PIR, et aujourd'hui présente car auteur d'un livre qui s'appelle Les Blancs, les Juifs et nous, vers une politique de l'amour révolutionnaire. Je viens de dire provoquer cette rencontre parce que je crois qu'elle n'a pas eu lieu encore. Or, on savait que, en tout cas, du côté d'Isabelle Stengers, elle était attentive aux écrits de Ouria depuis un certain temps. Et que par ailleurs, alors peut-être plus à titre personnel, à la lecture du livre de Ouria, j'ai trouvé assez frappant un certain nombre de liens entre la pensée de ces deux femmes. Et en particulier, j'ai été frappée par le motif de la non-innocence, qui est cher aussi à Isabelle dans son travail autour de Donna Haraway notamment. Et voilà, ça peut être une des entrées pour ce soir, mais il y en a bien d'autres, parce que je pense que du côté de ce qu'on nomme la décolonisation de la pensée, les échos peuvent être nombreux également. Voilà, donc juste pour initier cette soirée, je vais juste faire un petit point. Ici, c'est un café associatif qui essaye d'allier des formes de pensée, de résistance, et également le fait de se retrouver tous ensemble autour d'un plat. Donc nous avons cuisiné un plat palestinien ce soir, enfin un assortiment de plats palestiniens, et on a décidé, afin que tout le monde puisse en profiter, de ne le servir qu'au coucher du soleil. Voilà. Pardon ? Je crois que c'est à 21h55 ce jeudi 9 juin. Voilà. Donc, je vous souhaite un bon débat et je vous dis à tout à l'heure. Non, tout à l'heure. Pas tout à l'heure. Hey, tu pourrais pas lancer une question, Mirabelle ? Lance une question parce que nous on sait pas comment commencer. Chacun compte sur l'autre. Bah je sais pas, peut-être sur cette question de la non-innocence, Isabelle, je sais pas ce que tu as ressenti à la lecture du livre de Ouria et si ça c'est une entrée, et puis aussi cette question de. Ouais. Peut-être reprendre les deux motifs que je viens d'évoquer. D'abord le motif de la non-innocence, et puis également décoloniser la pensée aujourd'hui, comment ça se traduit. Et moi, je pense qu'il peut y avoir un gros chapitre autour de la question de l'amour révolutionnaire, parce que on est aussi attentif à cette dimension-là ici. Voilà. Ok. Bon, je vais un tout petit peu lancer comme ça, voilà. Briser la. Bon, bien, sur la non-innocence, il y a beaucoup de choses dans le livre d'Ouria, mais je ne vais pas le commenter parce que je n'ai pas envie de m'approprier de l'expérience qu'elle raconte. J'ai vécu rien de semblable comme belge, né en Belgique, de parents belges, et même plus ou moins installé. Par contre... Par contre, la question de se surveiller et ne pas tenter de produire une pensée innocente, qui se dirait innocente, ou se dirait, comment dirais-je, c'est pas ma faute, mais c'est ce que quelque chose de plus important que moi me force à dire. L'universalité, par exemple, etc. Ça, c'est un exercice exigeant pour une philosophe. Les philosophes ont beaucoup cherché une position d'innocence.
il parlait au nom de la lutte contre les illusions, au nom de toutes sortes de choses tout à fait qu'il jugeait, les excuser des positions, quel que soit le prix payé toujours par d'autres, par ces positions qu'il prenait. Donc pour moi, la position de recherche d'innocence est une position d'irresponsabilité où on n'a pas à penser devant les victimes de la manière dont on pense. Et donc là, je pense que c'est quelque chose qui me touche personnellement en tant que philosophe. Et je dirais, pour lancer deux termes, l'idée pour une philosophe de se situer, de faire le choix de se situer sur un mode, je dirais d'abord post-colonial, au sens où il s'agit de se détacher de toutes les habitudes qui ont de manière innocente justifié la colonisation, et puis en position de processus, c'est différent, une position post-coloniale, c'est dire non à une série de choses. Un processus de décolonisation de la pensée, ça se fait peu à peu. Parce qu'on ne fait pas semblant de se détacher. Non, non, il faut que les difficultés qui se posent, ben, elles vous atteignent et elles vous transforment. Et donc là, ma présence ici, elle fait partie de ce processus de décolonisation, c'est-à-dire, et lire ce livre, c'est-à-dire apprendre toujours à mordre sur des habitudes qu'on n'avait pas encore mis en question. C'était une manière de présenter comment je viens ici. Bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et merci d'être venus. Merci à l'association qui m'invite également, qui, je dois le dire, en ces temps qui courent, fait preuve de courage. Parce que vous avez devant vous quasiment une criminelle. Donc, je la remercie de m'inviter. Alors, commençons par le fait qu'effectivement je sois, moi, et mon organisation, et moi en particulier, considérés comme des criminels. Pas simplement parce que j'ai écrit ce livre, mais le fait d'appartenir à une organisation décoloniale qui a fait le choix d'une vraie rupture politique. Ça remonte à 10 ans déjà. Et ce que je veux dire déjà, dans un premier temps, c'est que faire cette rupture, c'est prendre beaucoup de risques. Et c'est pas simplement s'engager dans un combat politique, parce qu'en fait, beaucoup de gens s'engagent dans des combats politiques. Mais dans notre cas, c'est prendre le risque de perdre notre respectabilité. Et moi, je considère qu'effectivement, d'une certaine manière, et vu les rapports de force qu'il y a en France, et vu ce que le pouvoir peut dire sur nous, en quelque sorte, on perd notre respectabilité, puisque on est raciste anti-blanc, on est homophobe, on est misogyne, on est antisémite. Et que c'est pas facile de vivre avec cette étiquette, et que c'est pas facile de s'en débarrasser, et que vraisemblablement on pourra pas s'en débarrasser si on prend en compte la question des rapports de force en France et notre capacité ou pas à les renverser. Donc il y a cette prise de risque. Et tous les jours on vit cette prise de risque, et tous les jours on doit poursuivre cette prise de risque. On le paye, je crois, assez cher, et j'ai pas envie non plus de me plaindre, puisque je pense que dans d'autres pays, les prises de risque, on les paye plus cher. Mais pourquoi faut-il prendre ce risque? D'abord parce que nous croyons que nous sommes dans des véritables impasses politiques, et qu'à un moment donné, dans l'impasse, on étouffe. Et j'ai juste raconté. Alors, il faut prendre ce risque, on n'est pas obligé de le prendre, on n'est pas obligé de s'engager comme on s'engage. Mais si on ne le faisait pas, se poserait une question qui est la question de notre dignité. Et je crois que je peux parler de mon engagement comme je peux parler de l'engagement des militants du pire, c'est que par-dessus tout, si on s'engage dans la rupture et dans cette prise de risque, c'est que fondamentalement, il y a une question de dignité qui est derrière. Et que
on ne peut plus, en tant qu'indigène, en tant que sujet postcoloniaux, se laisser écraser. Alors se laisser écraser, c'est on se fait écraser dans ce pays de plein de manières différentes. Et je considère que je ne suis pas forcément la personne la plus écrasée parmi les indigènes. Il n'en reste pas moins que je suis écrasée et que ma famille a été écrasée. Et mon père également. Et je raconte juste une anecdote qui peut expliquer que parfois on n'a pas le choix si on considère que la question de la dignité elle est centrale. C'est une anecdote vraiment parmi les autres, mais je la raconte. Et je crois que j'en parle quelque part dans mon livre. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais lu dans un article du Nouvel Obs que je ne sais plus qui allait remettre la médaille du juste de manière posthume à Mohamed V, qui était l'ancien roi du Maroc. La médaille du juste, donc, parce que Mohamed V a sauvé des juifs. Et c'est une information, quand je l'ai lue, qui m'a profondément choquée, parce qu'évidemment, il fallait s'en réjouir. Et moi, ça m'a choquée, ça m'a blessée, et je dirais même que ça m'a étouffée. Et je me suis demandé comment on pouvait empêcher ce genre de manipulation. Alors je m'explique, parce que je suis pas sûre que tout le monde comprenne pourquoi ça m'a choquée. Ça m'a choquée parce que, en Europe, on a délivré des médailles des justes. Parce que beaucoup d'Européens ont participé, et je parle du peuple, hein, je ne parle pas simplement que du pouvoir ou de l'État, je parle de la complicité du peuple, qui était pour beaucoup antisémite. Beaucoup ont participé de la déportation des Juifs par complicité. Je ne dis pas qu'ils l'ont organisé eux-mêmes, mais qu'ils ont participé parce qu'ils étaient antisémites. En tout cas, qu'ils l'ont laissé faire. Et bien évidemment, dans un peuple qui est plutôt antisémite, lorsque émergent des figures qui sauvent des Juifs, eh bien oui, ils méritent effectivement d'être considérés comme des justes. Mais la manipulation politique et idéologique en France contre les indigènes de la République, c'est de nous faire endosser ce crime. Et donner cette médaille à Mohamed V, marocain, dont le peuple n'a pas participé à la déportation, n'était pas antisémite, faisait partie des peuples damnés de la terre, eh bien, c'est idéologiquement aujourd'hui faire partager l'hitlérisme, le nazisme, et c'est créer ce contraste entre Mohamed V qui a sauvé des juifs, créer un contraste avec son peuple qui lui, donc forcément, si lui il l'a fait, c'est que le peuple lui ne l'était pas, il est antisémite donc. Et donc, ça m'embarque, moi, maligné, ma race, dans cette histoire. On nous impose idéologiquement de partager ce crime. Ça, c'est quelque chose qui, moi, m'étouffe. Et je ne sais pas comment, politiquement, je peux faire valoir, en tout cas me battre contre ces manipulations historiques et idéologiques qui font des indigènes des antisémites. Je peux faire, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, je peux faire le choix de mon confort. Laisser pisser, laisser faire. Eh bien, c'est là que je dis qu'il est question de dignité. Je ne peux pas laisser faire ça. Je peux, pour moi. Ce n'est même pas pour les autres, c'est pour moi. Je ne supporte pas. Je ne supporte pas par rapport à mon histoire. Je ne supporte pas par rapport à ma famille. Je ne supporte pas par rapport à ceux qui viennent de l'histoire des damnés de la terre. Je ne supporte pas. Et si personne, s'il n'y a pas d'organisation politique, s'il n'y a pas des espaces qui contredisent le discours hégémonique, eh bien, ma dignité sera bafouée. Je dis que lorsque on s'engage, lorsque on milite aux indigènes de la République, et je ne parle pas que des indigènes de la République, aujourd'hui, il y a un vaste espace qui s'est créé autour de l'antiracisme politique, lorsqu'on écrit, on prend donc ce risque quotidien de mettre en jeu sa respectabilité, mais ce qu'on gagne, c'est notre dignité, et là je dis que notre dignité n'a pas de prix. Et c'est ça qui nous motive, je crois, et là je parle vraiment au nom des militants, c'est ça qui motive notre action, c'est ça qui motive ce qu'on fait, et
c'est refuser un récit, c'est refuser un discours, c'est refuser des pratiques, c'est refuser une condition. Donc voilà. Donc ce livre, c'est le refus de ma condition, c'est le refus de mon oppression, et c'est en même temps un projet. C'est-à-dire que, évidemment, à mon niveau, je reconnais mes frères et sœurs en humanité. Chez tout le monde autour de moi, j'ai pas de, à titre personnel, je n'ai pas de problème. Mais je sais également qu'on ne peut pas construire une quelconque fraternité, ou on pourrait dire pour le, dans le vocabulaire d'ici, un quelconque vivre ensemble, si il y a des blancs et des indigènes, s'il y a le racisme, s'il y a le colonialisme, s'il y a l'impérialisme. Voilà. Donc le point de départ, c'est le refus d'une oppression, c'est un moteur qui s'appelle la dignité, et c'est l'élaboration d'un projet qui, à mon sens, devrait coûter cher à ceux qui voudront y participer. C'est-à-dire que ceux qui vont vouloir... Bah, beaucoup de gens qui lisent le livre disent, je parle des Blancs, hein, ou des Juifs, qui le disent, disent c'est un coup de poing dans notre gueule. Bien, c'est un coup de poing, j'en suis tout à fait satisfaite, c'est très bien que ce soit un coup de poing. Mais ça renseigne sur le fait que ceux qui voudront nous rejoindre devront payer, devront aussi prendre le risque que nous avons pris pendant les 10-11 années qui viennent de s'écouler. Voilà. L'une des raisons pour lesquelles j'ai accepté avec, si je pouvais dire avec joie, si la situation s'y prêtait, d'être ici ce soir, c'est que j'ai été, je ne m'attendais pas, tu diras si tu t'y attendais, mais à la violence de la réaction. Parce qu'il y avait déjà eu d'autres livres signés par les indigènes, il y avait eu déjà pas mal de choses, et là, tout à coup, c'est une espèce de levée de bouclier tout à fait impressionnante et inquiétante. Et j'aimerais bien pouvoir tester, et c'est dans ton livre, tu décris au fond l'espèce de détresse du pouvoir blanc. Je crois que on est dans une situation effectivement dangereuse. Pourquoi ? Parce que ce pouvoir qui continuait et qui, à mon avis, est vraiment assez spécifiquement français. Enfin, il y a d'autres dangers ailleurs en Europe et dans le monde, mais il y en a un très spécifique en France. L'un des noms, c'est universalité, on pourrait y revenir. Enfin, ça m'intéresse puisque les philosophes, c'est leur boutique. Donc, c'est que quelque part, on est en pleine défaite et même déroute. Et ça met probablement quelque part la situation à un point d'instabilité, ou bien on pense, ou bien on devient dangereux, on devient mauvais, on cherche les traîtres. Et j'ai l'impression que la réaction à ton livre, c'est une réaction d'un pouvoir, d'une manière de penser, de se comporter, de se juger, de légitimité, qui sait qu'elle est défaite. Qui sait pas comment elle est défaite, mais qui sait qu'elle est défaite. Et donc c'est vraiment le moment où, pour tous les autres qui n'ont pas au départ pris ce risque, c'est le moment je sais pas si c'est déjà de l'amour révolutionnaire, mais en tout cas c'est le moment de la solidarité. C'est le moment que ceux qui ont pris ces risques ne se trouvent pas tout seuls, et éventuellement que la position qu'ils ont affirmée, et qui est nette, et qui est la leur, puisse éventuellement s'entretisser avec d'autres positions
de telle sorte que justement ça fasse quelque chose où les accusations sont moins faciles. Et dans la mesure où moi je viens un peu d'un autre horizon, c'est un peu ça que j'avais envie de traduire par ma présence. J'ai des raisons de lutter, elles ne m'ont jamais mis en risque. La chose la plus risquée que j'ai faite dans le temps, aux yeux de l'Union rationaliste, ça a été de m'intéresser à la vague d'OVNI en Belgique. C'était déjà... ou de m'intéresser aux sorcières américaines. Les risques que j'ai pris n'ont rien à voir avec ceux que prennent les indigènes et ouvrir en tant que signataire de ce livre et porte-parole. Mais ça fait rien, on n'est pas en train de remettre des distributions de prix du risque, c'est aussi des différences de situation. Par contre, ce qui est intéressant, c'est les liens qui se tissent et qui ne se laisseront pas briser ou impressionner. C'est l'ensemble de ceux qui, pour chacun, pour au départ de raisons qui étaient différentes, peuvent converger dans une solidarité. Ah non, ça vous ne direz pas. J'ai l'impression. Mais est-ce que tu t'attendais à cette violence? Oui. Tu l'avais senti, parce qu'elle est plus grande que celle de « Nous sommes les indigènes de la République » ou... Oui, je m'attendais à la violence, oui. Uh-huh. Alors, la violence des réactions, c'est une chose, mais il y a aussi les non-réactions. Uh-huh. Parce qu'en fait, ceux qui ont réagi, grosso modo, c'est toujours les mêmes. Bon. En fait, il y a les éditocrates, comme d'habitude. Il y a, genre Marianne, genre Lopes, genre Libé, genre... à la télé, c'était Guénolé, Elisabeth Lévy, ça, Fourès, enfin bref. Ça, c'est des réactions connues, normales. Bon. Après, il y a les réactions dans la gauche radicale. Il y a toujours cette espèce de clivage qui traverse la gauche radicale sur les questions indigènes, et postcoloniales, et décoloniales, et raciales. Il y a eu vraiment une guerre idéologique qui a eu lieu, effectivement, et qui a traversé toutes les organisations de la gauche radicale, même en Belgique, m'a-t-on dit. Et puis, plus inquiétant, à mon sens, parce que finalement, quand il y a un débat dans la gauche radicale, pour moi, ça reste quand même une chose positive, parce que ça veut dire qu'il y a aussi des gens qui se battent pour le défendre. Donc ça veut dire que si le clivage existe, pour moi, c'est quand même beaucoup plus intéressant que, une homogénéité de réaction dans les organisations de gauche. Donc ça, pour moi, ça reste quelque chose de positif. Et je trouve que c'est bien de creuser ce clivage-là, parce que c'est aussi comme ça qu'on gagne des alliés. En revanche, je suis plus inquiète par la réaction des amis et des ceux avec lesquels on travaille, que ce soit les blancs ou les non-blancs, ou même les juifs. C'est-à-dire qu'en fait... Je sais qu'il a pu être apprécié par beaucoup de gens qui me l'ont fait savoir, mais je ne crois pas savoir qu'il y ait eu plus d'une réaction publique depuis maintenant 3 mois. Mars, avril, mai, juin, oui, 3 mois. Je crois qu'il y a eu une seule vraie recension dans un grand journal qui est Libé par Océane Rosemary, qui elle-même a pris un risque et qui s'est fait menacer. Elle s'est fait menacer, elle a reçu même des menaces de mort, il faut savoir, parce qu'elle m'a soutenue. En dehors d'elle, je ne crois pas savoir qu'il y ait une personnalité, un grand militant ou quelqu'un de connu qui a... Ou vraiment, je ne parle même pas des gens qui sont éloignés de nous, je parle même des gens proches de nous qui ont exprimé un soutien public. Voilà. Et ça, c'est ça qui me semble le plus remarquable dans l'affaire. Cela étant dit, j'ai aussi des souvenirs où j'ai été attaquée par la GRIF, qui est une association d'extrême droite pour racisme anti-blanc, il y a quelques années. Donc j'ai fait 3 procès successifs, puisqu'on est allé jusqu'en cassation. Et là, je peux vous dire également, parce que là, c'est quand même encore plus révélateur, puisque là, c'était pour un truc rigolo sous chien, d'accord. Racisme anti-blanc, tatati tatata. Et donc c'était plus facile de me soutenir. Pourquoi ? Parce que c'était quand même la droite de l'extrême droite
qui me poursuivait. D'accord ? Eh bien, vous seriez surpris par l'absence de soutien. C'était, même là quand j'y pense, même avec le recul, j'ai du mal à y croire. Je ne dis pas qu'il y a eu, quelques soutiens ça et là, quelques organisations ça et là, mais vraiment rien de significatif. C'est-à-dire qu'en fait, je suis allée au bûcher, et on m'a laissé aller au bûcher. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Bon voilà, ça c'est un exemple frappant, à mon avis, de la déroute d'une grande partie de la gauche française qui peut me détester, qui peut ne pas m'aimer, qui peut penser que les indigènes ne servent à rien, mais qui permettent à l'extrême droite de me poursuivre en justice et de ne pas réagir, l'extrême droite encore une fois quasiment identitaire, là ça veut dire quelque chose. Là il y a quelque chose de significatif. Et on vit toujours ce moment, puisque là c'est pareil, moi ce que je vois autour de moi c'est que les gens sont tétanisés. C'est-à-dire que dans les milieux universitaires, pour ne parler que de cela, des universitaires qui pourraient penser qu'ils pourraient en dire du bien avec un regard critique ou tout ce qu'ils veulent, même ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du terrorisme intellectuel, qui est que si tu prends position, eh bien tu es toi-même... entre prendre position pour les indigènes de la République et Daesh, en fait, il y a quasiment... c'est direct. Voilà, c'est ça, en fait. On ne peut pas se mouiller avec des islamo-gauchistes, voilà. Et c'est là que je ne sais pas s'il faut dire qu'il y a une inconsistance de la gauche. La gauche française, je ne parle pas des... Les indigènes, c'est encore autre chose. Les indigènes sociaux, c'est encore autre chose. Je pourrais aussi en parler, des réactions, ça et là, parce que, par ailleurs, dans le monde indigène, je trouve qu'il y a eu des réactions extrêmement positives, même dans le monde blanc, dans le monde blanc des individus. Il y a eu d'excellentes réactions dans le monde indigène. Je trouve que le débat sur le livre, je sens qu'il y a des choses qui se disent, que ça circule, je sens que les indigènes s'approprient de plus en plus la question décoloniale, qu'il y a de plus en plus d'affirmations politiques, et tout ça, c'est un travail de fond qui se fait et qui existe. Mais pour revenir sur la gauche, c'est juste que je ris de voir un grand espace politique, et celui-ci, qui, bon, évidemment, qui est un peu en déroute, parce qu'effectivement, on vit dans une hégémonie de droite, enfin, qui prétend vouloir combattre le fascisme. Je me demande comment, s'ils ne sont pas capables de me défendre, moi. C'est tout, c'est quelque chose qui me paraît un peu contradictoire, enfin bon. Dans le monde indigène, mon livre arrive vraiment tardivement, mais depuis vraiment quelques années, il y a une affirmation politique qui est en train de se produire, de se développer, et ça, nous, on le sent, on le voit. Je pense que dans quelques années, quelque chose dont on rêve aujourd'hui qui serait une force politique, je pense qu'elle est aujourd'hui vraiment en gestation, qu'elle va exister dans les années qui viennent. Donc tout ce travail va apporter ses fruits, c'est sûr. Ouais, pour revenir à cette absence de réaction, pour moi, elle ne m'étonne pas vraiment, parce que faut peut-être... Enfin, il y a des Belges dans l'Assemblée, et tu viens en Belgique de temps en temps. Moi, quand je suis venue travailler à Paris, j'ai été effrayée. En fait, j'ai fui vers la Belgique. J'ai découvert que j'étais belge et j'ai fui. Tellement il y avait une espèce de conformisme terrorisant. Il y a un sentiment de, comment dirais-je, de terreur que j'ai ressenti très fortement à Paris. Il y a des choses, si on les dit, tout à coup, tout le désarroi, toutes les doutes, etc., vont se cristalliser et prendre ce mot-là comme bouc émissaire. Enfin, donc, je crois que j'ai quitté la France en me disant c'est un pays dangereux. J'y étais venue après l'élection de Mitterrand pour participer à quelque chose dont en 81-82 on pouvait se dire ça va être intéressant. J'avais rêvé que un peu comme
au temps de la République hollandaise, au XVIIe siècle, les intellectuels allaient là où ça se passait. Donc je me suis dit, je vais aller travailler en France. Et puis j'ai fui. Donc c'est vrai qu'il y a un courage étonnant. Et ça révèle aussi, au fond, le provincialisme profond de la France. Parce que ce que vous jouez, Ça a été, je pense, à Steve Biko en Afrique du Sud, je pense évidemment à Malcolm X et aussi dans les mouvements féministes, au Colored Woman, etc. Enfin, tout ça a été dit. Le fait que la gauche, enfin, la pensée libérale, bien pensante, etc., est complètement paternaliste sans même le savoir. De bonne conscience, se sentant innocente, etc. Tout ça a été travaillé historiquement dans des tas de régions. Et quand les indigènes de la République arrivent et recréent ce problème ici en France, ça ne veut pas dire qu'ils copient, ça veut dire qu'ils l'imposent en France, c'est la grande surprise. Et c'est une grande surprise avec cette chose qu'il faudrait analyser, c'est-à-dire cette position qu'on se donne du « on » impersonnel, mais si on admet ça, ce serait la porte ouverte à « si on », etc., cette espèce de position, de réflexe quasiment, de prendre la position du juge qui se sent responsable de l'ordre public, et qui voit là une pensée dangereuse, une pensée qui n'offre pas les garanties attendues et donc qui frappe. Donc il y a une espèce de... Je crois que la France est typique pour ça. Défense de l'universalité, etc. Mais on ne peut tout de même pas admettre que... Et ce « on », quand il sort, c'est un juge. C'est un représentant du progrès. C'est un représentant de l'ordre public qui parle, même s'il est de gauche. Ce « on » est bon, pour moi, c'est ce qu'on appelle, c'est le on de la bêtise. Hein. C'est la bêtise qui, moi, je peux comprendre, mais ce serait la porte ouverte à. Tu ouvres la porte à quelque chose de très dangereux, et c'est pour ça qu'il faut refermer la porte. J'ai l'impression. Et quelque chose de dangereux, une monstruosité, je crois que c'est même pas ce que tu appelles les indigènes sociaux qui font peur, là. Non, c'est, si on peut dire ça, alors... On ne sait plus où on va s'arrêter. Et c'est pour ça que je dis une position post-coloniale, mais en tant que philosophe, je dirais, mais on n'a pas encore fait un demi-centimètre. Non. et y compris, mon problème, ça a été au départ les sciences. Mais quand je vois la manière dont... Je trouve que la science de l'évolution biologique est une très belle science. Mais quand je vois la manière dont on l'emploie pour faire la différence, pour tester la loyauté, pour humilier, pour tester la loyauté des élèves ou des étudiants par rapport au progrès de la rationalité, j'ai honte. J'ai directement honte. Je veux dire, c'est déshonorant. Juste une anecdote... Au moment qu'on a eu ça à Bruxelles, il faut défendre nos valeurs. Et le bruit courait qu'il y avait même un étudiant en biologie qui, après avoir d'origine maghrébine, qui après avoir eu son diplôme, avait dit à son prof « Mais vous savez, c'est histoire d'évolution, j'y crois pas du tout. » Et il allait peut-être enseigner. Et donc, après, bref. Et donc les profs de biologie de mon université s'étaient réunis pour essayer de... Et moi j'y avais été en me disant, peut-être que je peux aider à fabriquer un rapport à cette science qui ne soit pas humiliante. Et donc je commence à leur dire, c'est pour vous dire qu'on n'est pas loin, je commence par leur dire, peut-être que vous pourriez tout de même... dire au prof qu'il vaut mieux ne pas dire qu'il faut ne pas dire l'homme n'est qu'un primate. Alors ils me regardent et ils me disent mais c'est vrai.
Alors j'ai commencé péniblement à leur dire ce que signifiait le ne que et la manière dont ce ne que était fait pour confronter, pour susciter le vous êtes avec nous, vous êtes contre nous. Il a fallu que quelqu'un qui avait compris dise aux autres, mais si on disait Einstein n'est qu'un juif, vous croyez que c'est neutre? Alors ils se sont mis à... Mais on revient de loin, c'est-à-dire que la fierté de travailler contre les illusions, et là, c'est toutes les illusions, et il se fait que les indigènes sont surchargés d'illusions encore plus que les autres. Mais la raison, elle doit n'avoir aucune pitié contre la bête immonde que constitue l'illusion, les illusions. Donc, c'est ça que je dis, se défaire de tout ça, mais c'est s'arracher la peau tellement on a pris. On est sous les mots d'ordre du progrès rationnel. Et c'est là que des alliances seraient possibles. C'est-à-dire que tous les endroits où la manière dont on présente notre histoire a des conséquences humiliantes, mais y compris pour d'autres, pour des sous-chiens. je suis toujours étonnée que les profs de morale ne réagissent pas, on les humilie. Ils ont l'habitude d'être humiliés. Voilà maintenant des gens qui refusent d'être humiliés. Mais c'est révolutionnaire, ça. Refuser d'être humilié. C'est le lot de ceux qui ne sont pas les représentants du progrès. Moi je comprends que notre pensée soit vue comme dangereuse parce que je pense qu'elle l'est. C'est aussi simple que ça. Je pense que ceux qui nous craignent ont raison de nous craindre. En tout cas, ils ont raison de craindre le développement d'une pensée politique décoloniale autonome qui puisse faire des petits, qui puisse créer des forces politiques en France et qui puissent aussi participer à la création de la norme, pas simplement à la création de la norme, mais en tout cas à l'identité de la France, à la recomposition de l'idée de la France et un tas de choses. Et ils ont raison d'avoir peur. Ils ont raison de penser qu'on a une pensée dangereuse parce que notre projet qui est quand même de mettre fin à la suprématie blanche est un projet où les blancs vont devoir se redéfinir. Parce que qu'est-ce que être blanc quand il n'y a plus la blanchité? C'est quand même une question. Parce que moi je pense que les blancs ne savent pas ne pas être blancs. Et ça c'est quoi être un humain parmi les autres? Ouais. Parce que nous on peut, mais eux ne peuvent pas. Le problème, il me semble, c'est que ceux qui ont peur de ce point de vue-là, c'est des rentiers d'une histoire qui leur a été imposée à eux aussi. Si je me suis tellement intéressée aux sorcières néo-païennes, c'est qu'elles... Au fond, c'est des femmes et des hommes d'ailleurs californiens, d'accord. Mais enfin, leur histoire est liée aussi aux luttes anti-impérialistes et de solidarité avec les Indiens. Et Starhawk raconte une histoire intéressante d'une des points qui l'ont amené à travailler au devenir activiste et profondément politique de ce qu'elle faisait. C'est qu'ils étaient là pour défendre, je crois que c'était Navarros, dont les droits étaient comme d'habitude bafoués. Et une vieille indienne leur dit « C'est très gentil de venir nous défendre, d'où venez-vous ?» Et là, tout à coup, crevé. Parce que d'où est-ce qu'il venait? Et elle, là, ou bien il disait, s'il disait de nulle part et de n'importe où, nous venons parce que nous avons un grand souci de justice, etc. Ils étaient incapables de se présenter.
Ils ne pouvaient pas dire d'où ils venaient. Ça veut dire qu'ils étaient les justiciers absolus, venant protéger ces malheureux. Et c'est là qu'ils ont, ils ont redonné un sens à cette qualification de sorcière, c'est-à-dire, oui, nous sommes issus de la première éradication culturelle, de la première humiliation qui a eu lieu au moment où la colonisation commençait, elle avait lieu aussi sur le sol européen. Et là, pour moi, ça a été très précieux, parce que je me suis dit, là, la situation se complique. Il y a la possibilité d'un choix. Ou bien je me sens comme descendante des sorcières ou des chasseurs de sorcières. Et donc, travailler à être descendant des chasseurs de sorcières, ça veut dire pas mal créer, fabuler, créer des positions, créer des, etc. Mais au moins, on sort de cette généalogie de la raison qui commence avec les Grecs et qui va jusqu'à aujourd'hui, etc. On a une prise qui se dit, eh bien non, il y a eu éradication, il y a eu, il y a eu destruction d'une population paysanne, on l'a oubliée, mais il faut raviver cette position. Et ça un autre point qui m'a aidé à me situer, c'était celui de qu'avait fait Félix Guattari avant sa mort, quand il rêvait d'avoir une alliance verte-rouge, occasion perdue. C'était les trois écologies. Il disait, nous sommes dans un triple ravage écologique. Ravage de l'environnement, ça c'est ok, mais aussi ravage des mentalités individuelles et des productions sociales collectives. Ces trois ravages vont ensemble. Et pour moi, l'idée qu'on est dans le pouvoir blanc est indissoluble d'un triple ravage, c'est très précieux. Ça veut dire qu'effectivement, toute cette histoire dont on nous a appris à être fiers, toute cette histoire de progrès, toute cette histoire qui implique la supériorité de l'homme blanc et sa mission d'éducation sur les autres, c'est quelque chose qui est solidaire du ravage même de ceux qui la portent. Bon, il y en a des, il y en a des plus mauvais ou plus intelligents ou plus déterminés que d'autres. Mais en gros, je dirais, c'est une histoire qui a commencé dans la destruction de ce qui faisait que la population européenne était une population comme les autres. Et donc pour moi c'est important parce que ça veut dire que cette peur, cette déroute, elle traduit aussi l'absence de ressources propres pour résister. Le fait que si on leur enlève, si on nous enlève les mots avec des majuscules, progrès, raison, universalité, on est dans le vide. On est dans le vide. Et c'est par rapport à ça qu'il s'agit de dire, mais non, c'est pas grave. Et quand je suis optimiste, je me dis, ça aussi est en train de changer. C'est-à-dire qu'il y a, depuis 10 ans, je trouve que le nombre de mouvements activistes qui se rendent compte qu'il s'agit de recultiver des forces propres et pas des slogans universalistes, se multiplient. J'ai, par exemple, on en parlait la dernière fois que je suis venue à Mille Plateaux, au début du siècle. J'ai insisté, j'ai un peu travaillé à ce que soit traduit un livre de Starhawk. Calme encéphalogramme plat du lectorat. Aujourd'hui, il a été hérédité, mais ça bouge. Comme si. Et ceux et celles qui lisent ça, c'est des gens qui comprennent bien ce que... Enfin, qui ne comprennent pas bien au sens de se mettre dans leur peau, mais c'est des connexions possibles avec les indigènes. Parce que, justement, ils se situent comme héritiers d'un ravage.
et d'une humiliation. Des questions ? Justement, Horia n'est pas plus sorcière que guerrière ? Ou elle a dit qu'elle était criminelle ? Est-ce que le terme criminel, c'est le bon ? Est-ce que vous n'êtes pas deux sorcières, là, aujourd'hui ? Puisque une criminelle et une philosophe. Ben, l'une des manières dont le féminisme, avant qu'il devienne républicain, a pu choquer, c'est quand des femmes se sont dit sorcières. Le mot sorcière est toujours pas bien porté. Hein. Ben, dans les années 70, il y avait des groupes féministes qui se disaient sorcières, et ça allait mal pour elles. Maintenant, le féminisme, malheureusement, est devenu respectable, et universaliste, et égalitariste, mais je veux dire, il y a tout de même eu une époque où ça bougeait. Il y a eu une époque où il y avait une production collective. Celui qui ne l'est pas est islamo-gauchiste. Le féminisme qui n'est pas respectable. Mais ça, c'est... Enfin, il y a eu des mouvements, et pour moi, ils disent... Enfin, il y a eu des mouvements féministes en Belgique, notamment, et un peu... Pas en notre nom, quoi. Qui hurlent contre la manière dont, tout à coup... dont ce qui était ultra-minoritaire et mal vu est aujourd'hui une des plumes de la légitimité blanche universaliste, n'est plus une lutte, mais quelque chose qu'on peut jeter à la face de ceux qui ont le malheur de comment dirais-je, de dire qu'est-ce qui arrive ici, quoi. Je veux dire, ça a toujours été des luttes minoritaires, et voilà tout à coup que le féminisme est devenu majoritaire, c'est une catastrophe. Parce que j'ai été nourrie par Isabelle, comme beaucoup en Belgique. C'est quelqu'un qui a été très, 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 très important, qui continue à l'être. Donc cette rencontre est un moment, voilà, personnel, très, très émouvant. Parce que, évidemment, il y a des choses dans l'écriture même. Ça, c'est aussi les vraies rencontres intellectuelles et de combat. C'est-à-dire que... Il y a des points de convergence, même dans les postures. On ne va pas parler de ça maintenant. Mais alors, Isabelle a été très modeste. Elle a dit qu'elle n'avait pas pris autant de risques que les indigènes. Ce n'est pas tout à fait comme ça. Quand on est blanc, même quand on prend des risques, on risque moins. C'est très simple. C'est-à-dire qu'on passe quand même à travers les fourches caudines. Il se fait que moi, je sais qu'Isabelle a subi des attaques qui sont... proportionnelle aussi au fait qu'elle soit une femme. Donc je n'ai jamais fait de ma vie, mais je veux quand même dire qu'ici il s'agit de deux femmes, et que si tu étais un homme, je pense que ça se passerait quand même différemment. Si Isabelle n'avait pas été une femme, ça serait aussi passé différemment, et c'est quelque chose que je n'ai jamais eu l'occasion de dire, puisque les femmes, moi, j'ai jamais été féministe, j'ai jamais eu l'occasion de l'être, là j'ai l'occasion de l'être. Donc toute cette question des violences, elles sont proportionnelles au contexte et à la situation. Isabelle a pris sa part de risque. Si elle écrit maintenant quelque chose sur Horia Boutelja et sur ce livre, elle subira pour la énième fois. On dira, ah oui, bah oui, ça ne nous étonne pas, Isabelle Stengers, après la drogue, après ceci, après cela, après le relativisme. Mais elle ne sera pas menacée comme tu peux l'être. Donc je ne suis pas en train de dire qu'elle prend tant de risques que toi, je suis en train de dire qu'elle peut avoir des critiques d'une violence inouïe, où on tente de disqualifier avec la même mauvaise foi la pensée, parce que ce qui est vraiment étonnant, c'est que moi j'ai lu le livre trois fois, parce que chaque fois il y a quelqu'un qui te dit « Ouais mais non, mais t'as pas vu que... » Bon, tu te dis « Allez, je vais m'y remettre pour voir... » Parce que de toute façon, les Arabes, c'est comme les Juifs pour Hegel, c'est-à-dire c'est des gens du double discours, si pas du triple, si pas du quadruple. Et de toute façon, le truc le plus courant, mais je ne vais pas parler deux heures, c'est l'homophobie. J'avais déjà entendu ça au moment du mariage pour tous. Alors tu leur dis, excusez-moi, mais Genet et Audrey Lorde, ça va être difficile de taxer quelqu'un qui utilise, qui rend hommage à Jean Genet et à Audrey Lorde d'homophobe. Ça va être compliqué.
Ah oui, et Baldwin. Quoi? Et Baldwin. Oui, non, mais ça, il y a trop de PD dans ton livre pour qu'on puisse continuer à te traiter d'homophobe. Bon, alors... Ça fait partie de... Voilà, alors, le truc, c'est l'antisémitisme. Bon, moi, j'ai même pas le fait que je sois feuge, mais nous, on n'a pas eu, ça je te l'ai dit à Bruxelles, on n'a pas eu de proposition aussi généreuse, je pense, depuis le Bund, hein, donc ça remonte quand même à quelques années. Donc c'est-à-dire que je suis quand même sidérée, parce que, alors peut-être c'est la réputation sulfureuse. Et je voudrais juste terminer par rapport à ce que disait Isabelle sur les activistes. Quand on voit, il y a 15 jours, 3 semaines, le procès contre l'antiracisme, c'est parodie, qu'on voit toutes ces jeunes filles... quand je dis jeunes, c'est par rapport à notre génération. Là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer. Donc là, il y a des gens qui sont en train de s'emparer d'une dignité, d'une parole, d'une... Ils pourront pas, c'est ce que dit Maboula, on ne pourra pas revenir en arrière. Et par rapport à ces questions de la philosophie, par exemple, Isabelle est plus passée par la philosophie anglo-saxonne, et toi, tu aurais été très bien accueillie, si ça, c'est ce qu'Isabelle dit, dans un pays qui n'est pas la France, qui a toujours baillé la philosophie anglo-saxonne, et ce type d'études, et ces post-colonial studies, etc. Donc voilà, il faut simplement faire traduire le livre et... C'est en train. Voilà. Merci encore, en tous les cas. Petite question. C'est une question qui remonte à l'époque où on s'était rencontrés autour de votre livre, La sorcellerie capitaliste. On s'était rencontrés autour d'un verre après, et c'est vous qui m'aviez interpellé sur... Mais vous ne pensez pas que, en substance, le clivage droite-gauche est encore important? Alors moi, je vous la pose à toutes les deux. Pourquoi vous y tenez tant? Et pourquoi le situer au niveau de la politique institutionnelle, finalement? Peut-être un peu trop, à mon sens. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Si, c'est clair, mais moi, j'y tiens pas. Clivage gauche-droite. J'y tiens pas du tout. Pas spécialement, en tout cas. Et surtout que nous, on ne se situe pas sur le clivage gauche-droite, nous, les indigènes de la République. On se situe sur un clivage transversal qui est celui de la race et du colonialisme. Et qui n'est pas un clivage... capitaliste, anticapitaliste, qui n'est pas un clivage progrès contre le progrès, conservateur, etc. Ça, on n'est pas là-dedans. Tout ça, pour nous, la pensée décoloniale remet en cause profondément ce clivage. Simplement, on fait de la politique, et faisant de la politique, on crée des alliances avec les forces en présence. Les forces en présence qui veulent bien s'allier avec nous sur le terrain, c'est une partie de la gauche radicale. Donc on est bien obligé de la reconnaître, parce que de toute façon, ça ne signifie pas par ailleurs que le clivage en tant que tel n'existe pas. Ce clivage gauche-droite. Nous, on n'y tient pas, en tout cas, on ne pense pas que ce soit le seul. Et celui sur lequel nous, on se situe, c'est celui de la race et du colonialisme et de l'impérialisme. Donc c'est autre chose. Mais il faut bien avoir des alliés. Mais... J'ai hérité du clivage gauche-droite qui fait partie d'une histoire de lutte auquel je ne veux pas renoncer. Je crois que quand les écolos, justement, dans les années 80, ont dit ni gauche ni droite, ils ne savaient pas ce qu'ils disaient, parce que ça voulait dire qu'ils étaient dans une espèce de position d'humanité supérieure, ou qu'ils servaient quelque chose de plus haut. Il se désituait de l'histoire qui a fabriqué la terre comme ressource exploitable, etc. Bon, mais institutionnel, je sais pas. Au contraire, moi je me suis toujours revendiqué, y compris dans Sorcellerie capitaliste, de ce mot de Deleuze qu'il avait dit juste après que Mitterrand soit élu, hein. C'est-à-dire qu'il prévoyait déjà que Mitterrand allait trahir, ce qui n'a pas manqué.
Et il disait, mais entre gauche et droite, c'est pas une question de clivage, ou de plus ou moins ceci, ou plus ou moins cela. Il y a une différence de nature par rapport au pouvoir. Il l'inventait, il a inventé le concept de gauche. Et ok, moi j'ai pensé avec ce concept-là. Il a dit, la gauche a besoin vitalement, crucialement, elle n'est rien sans si les gens ne pensent pas. La droite a besoin que les gens se soumettent. C'est pour ça que la gauche trahira toujours quand elle est au pouvoir ou quand elle a l'ombre d'un pouvoir, parce que les gens qui pensent, c'est inconfortable. Les gens qui prennent leur propre mouvement, prennent leurs questions, prennent leur dignité en main, etc. C'est inconfortable pour toute position de pouvoir, donc la gauche sera toujours en position de trahir. La droite au pouvoir, elle est dans son élément naturel. Donc moi, j'accepte ça, c'est-à-dire que quels sont les dispositifs, quels sont les moments, comment peut-on dire ici, dans ce cas-là, des gens se sont mis à penser, c'est-à-dire à créer leurs propres problèmes, à prendre en main leur situation, à ne pas se laisser définir par une équation toute faite. Ben, je dirais, de ce point de vue-là, comment dirais-je, mais les indigènes de la République sorte du clivage traditionnel, institutionnel, gauche-droite, mais c'est un exemple de ce qui arrive quand les gens pensent. Quand les gens pensent ce qui les concerne, au lieu de, comment dirais-je, se laisser définir par l'extérieur. Et voilà, donc moi je m'inscris dans cette définition-là, qui est par rapport au pouvoir et à la manière dont, au fond, l'idée dont le pouvoir se donne comme le pouvoir, l'efficace du pouvoir, c'est exproprier les gens de leur propre pensée, de leur capacité à poser les problèmes qui les concernent. Faites confiance. Il n'y a rien de pire en France que ça. Je me souviens que quand je travaillais sur la question des politiques des drogues, dont Marianne a parlé, j'ai rencontré des sociologues français. J'ai appris à haïr les sociologues français. Enfin, certains, hein, pas tous. Et ils m'ont dit, mais si on fait comme les Hollandais, c'est-à-dire qu'on maintient le caractère illicite des drogues, parce qu'on est tenu par des traités internationaux, tout en permettant la culture et un certain type de commerce des drogues. Mais les gens vont voir que l'État se contredit. Ils vont devenir fous. Ils vont devenir fous, les gens. L'État doit avoir une seule parole. Et ça, c'est la figure de l'État paternel qui protège les gens, qui, s'ils se rendent compte que l'État leur demande de penser, ils vont devenir fous. Donc l'État est ce qui permet aux gens de ne pas penser. Et il faut absolument respecter cette incapacité de penser de la part des gens, et ceux qui les activent, leurs pensées, sont dangereux. Donc c'est pas un hasard que ce soit un philosophe français, parce que pour moi, si la France a produit des gens extrêmement intelligents, je pense à Foucault ou Deleuze par exemple, c'était parce que pour eux c'était une question de vie ou de mort, étant donné le caractère malsain du pays où ils étaient nés. Engers tout à l'heure sur le fait que la pensée décoloniale que porte notamment Auria est perçue comme un danger. L'un des dangers qui, visiblement, à ma naïve surprise, agite y compris l'ultra-gauche et la mouvance anarchiste, et donc a fortiori les autres courants politiques, c'est que y a un désarroi extraordinaire qui est que plein de gens vont s'apercevoir que la déclaration des droits de l'homme et du citoyen est une déclaration des droits de l'homme et pas de la femme,
et de l'homme blanc. Et il y a véritablement dans de nombreuses mouvantes une véritable panique intellectuelle par rapport à ce bouleversement. Et on voit des gens a priori outillés intellectuellement pour comprendre les questions notamment de race sociale. Je pensais naïvement que l'apport du féminisme radical et la pensée de la construction du genre permettait facilement de comprendre la notion de construction de race sociale. Eh bien non. Et donc, à quoi on est en train d'assister ? À une remise en cause, à la fois, bon, bien sûr, une accusation de racisme de ceux qui portent la pensée décoloniale, mais aussi à une remise en cause de tout ce qu'on appelle la philosophie postmoderne et d'accusation du féminisme radical comme étant sexiste. Il y a toute une série de débats qui se sont produits actuellement qui semblent montrer qu'il y a véritablement, et les indigènes sont en train de provoquer, à mon avis, salubrement cette rupture. Et c'est peut-être la raison pour laquelle la France est aussi désemparée, c'est que c'est la France, Badinter a dit de façon assez amusante, la France est le pays de la déclaration des droits de l'homme et non pas des droits de l'homme. C'était assez amusant comme définition. C'est-à-dire qu'il y a une notion qui est complètement abstraite, qui est l'homme, l'homme totalement abstrait, sachant que donc l'homme abstrait, ça signifie que par exemple, les femmes sont des hommes en général, ce qui est intéressant comme idée. Et donc il y a un désarroi, dans le meilleur des cas, un désarroi, dans le pire des cas, une opposition extrêmement violente à la rupture que nous proposent les indigènes de la République. On va retravailler dans ce sens-là. Sur comment la presse française a accueilli la mort de Mohamed Ali. Moi j'étais surpris des réactions de Jacques Dion, de Marianne, qui haït notre discours racialiste, etc. Mais par contre, il a applaudi Mohamed Ali, donc je ne sais pas s'il y a un commentaire à faire là-dessus. Je ne crois pas que Marianne ou autre aurait rappelé tout ce qu'on peut reprocher à Mohamed Ali si l'Amérique n'avait pas pris devant. Mais les Français ne sont pas spécialement courageux, hein, le conformisme. Donc, si les Américains ont pris les devants pour célébrer le grand boxeur bien-aimé, il fallait que la France soit amnésique, quoi. Donc, c'est tout de même, je veux dire, ça pense pas beaucoup, hein. Ça pense pas beaucoup, ça veut maintenir la légitimité d'une position de jugement. Mais, je crois pas qu'il y ait... Je crois que... en Belgique, j'ai entendu quelqu'un à la radio rappeler que il n'avait pas toujours été tellement aimé que ça. Et c'est une des choses qui fait que c'est un tout petit peu plus salubre, quelque part. Une chose bizarre, tiens, ça donne à penser qu'il y a eu des attentats en France. Et il y a eu plein d'appels au secours de gens qui se sentaient vraiment meurtris, comme s'ils avaient été eux-mêmes directement attaqués et blessés par ces attentats, dont ils sont terribles. Mais enfin, il y a eu des attentats en Belgique. Et je n'ai jamais eu, en tant que nourrie par les informations belges, la moindre idée d'aller demander à tous mes amis s'ils allaient bien. Par contre, j'ai reçu des mails de France. Tu vas bien. Donc il y a vraiment une espèce d'hystérisation française où chacun se sent. Ça me rappelle les petites villes américaines au moment des Twin Towers qui sentaient se sentaient personnellement menacés dans leur petite bourgade dont personne n'avait jamais entendu parler les horribles terroristes. Donc il y a une hystérisation française, je dirais. Donc tout à coup, j'ai eu le témoignage quasiment... j'ai reçu aucun mail me demandant si j'allais bien, de Belgique, et tout plein de France. Je ne suis pas la seule. Tout à l'heure, on parlait de... J'ai commencé par parler de la dignité et de
de ma définition de la dignité, quand j'observe Marianne, non, c'est Marianne, hein. Et il y avait aussi Estrosi. Estrosi a rendu hommage à Mohamed Ali. Je répète, Estrosi a rendu hommage à Mohamed Ali. Tout à l'heure, je parlais de dignité, je pense que c'est vraiment pas un vain mot. Je pense que Estrosi et Marianne n'ont pas de dignité. Et c'est pour ça qu'ils méritent notre mépris, en fait. Parce que normalement, ils auraient dû dire, ils auraient dû le critiquer. Ils auraient dû dire tout ce qu'ils disent sur les indigènes de France. Ils auraient dû dire qu'il était raciste anti-blanc. Qu'il était antisémite puisqu'il a soutenu les Palestiniens. Ils auraient dû dire qu'il est communautariste. Mais ils n'ont aucune dignité. Parce qu'ils auraient fait ça. Moi, je les aurais, quelque part, je les aurais respectés. Mais c'est vrai. C'est vrai. Et là, ils sont allés en fait se prosterner. Comme deux mots. Parce qu'ils sont devant Mohamed Ali, on se prosterne en fait. Eh ben oui, on se prosterne. Devant quelqu'un qui est digne, on se prosterne. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est, je peux que les trouver minables. Voilà, ils ont tout mon mépris. Mais je le dis avec colère. Hein. Je le dis avec colère. Ces gens-là, je les méprise. Ils auraient été debout, des blancs debout, fiers de leur race. Ah ben, ils lui crachent dessus, et ils l'ont pas fait. Ben, donc ils sont, c'est des minables. Tout ce que j'ai à dire. Et merci pour cette rencontre qui aurait pu sembler improbable, mais qui ne l'est pas du tout. En fait, je me pose la question de savoir depuis combien de temps est-ce que finalement cette rencontre est dans l'air. C'est-à-dire qu'elle flottait, elle était. Il y a un passé qui l'a rendue possible, il y a des choses qui ont surgi depuis une dizaine, une quinzaine d'années, et qui aboutissent à cette rencontre tout à fait éloquente, effectivement, où on comprend bien qu'il y a une étape qui se franchit. Et pour revenir à ce que vous évoquez l'une et l'autre, c'est-à-dire à cette question de la non-innocence et cette question de la responsabilité, si effectivement nous devons aujourd'hui, alors je ne sais pas qui est ce nous, puisque finalement il va falloir le composer, il va falloir l'inventer ce nous. Il y a celui que tu décris dans ton livre, Ouria, et il y a celui que l'amour révolutionnaire anticipe ou appelle de ses voeux. Donc l'enjeu aujourd'hui c'est de composer un nous dans lequel ce ne soit pas simplement les indigènes qui soient présents, ou auxquels ils soient assignés d'ailleurs, parce que la question aujourd'hui c'est que le nous est une forme d'assignation, et que puisse s'inventer un nous qui excède largement les limites du système race tel qu'il opère aujourd'hui et de cette suprématie blanche. Donc s'il faut inventer cette dignité commune, puisque l'idée c'est aussi que, comme tu viens de le rappeler, peut-être offrir la possibilité aux Blancs d'avoir de nouveau une dignité, puisqu'ils n'en ont plus, comment bâtir cela, comment parvenir à... non pas rassurer, mais aller encore plus loin dans l'inquiétude, dans l'incertitude, dans le trouble et peut-être même le désarroi, en tout cas la défection que va exiger cette forme de lutte commune. Donc à partir de maintenant, depuis déjà un certain temps, comment aller de l'avant et comment faire que, y compris sur le mode sarcastique et ironique, retrouver sa dignité, c'est apprendre à la perdre d'abord. Ça va être difficile de répondre à cette question parce que c'est un projet. Je voulais juste revenir sur la catégorie nous, que moi je ne crois pas être une catégorie assignée. Je pense que quand ce nous, qui n'est pas encore le nous de la majorité des coloniales, donc de l'amour révolutionnaire, mais qui le petit nous des indigènes de la République, à partir du moment où c'est un nous politique, ça n'est plus un nous de l'assignation. On part d'une assignation, d'une condition, à partir du moment où ça devient un nous politique, ça n'est plus une assignation, c'est une affirmation politique. Et là, on sort de l'assignation pour évidemment s'inventer, puisque moi, à part dire que c'est un nous historique et social, évidemment, je suis bien incapable d'en dire plus. Je ne sais pas effectivement
qui est ce nous moi-même, je ne saurais pas me définir moi-même. Donc, je ne risque pas d'aller définir le nous des indigènes de la République. En tout cas, la seule chose que je sais, c'est que c'est un nous politique qui est un nous qui, effectivement, appelle à d'autres nous. Et l'autre nous, c'est le nous. Il y a plusieurs étages au nous. Hein. Il y a le nous des indigènes de la République, et même dans le nous des indigènes de la République, il y a des sous-nous. Puisque le nous des Roms n'est pas le nous des musulmans, qui n'est pas lui-même le nous des Noirs. Et que c'est un nous déjà très conflictuel, et qui n'est pas un nous évident. Donc il y a ce nous-là, et il y a le nous, par exemple, du rapport aux Juifs, aujourd'hui, qui est un rapport conflictuel. Donc il faut aussi créer l'espace du nous avec les Juifs, si on comprend que c'est vraiment une catégorie politique à part, que ce ne sont pas des sujets postcoloniaux, mais que ce ne sont pas non plus des Blancs. Et puis, il y a le nous, le grand nous politique, qui effectivement est le nous de tout le monde, enfin, de tous ceux en tout cas, qui aspirent à cet amour révolutionnaire, donc qui aspirent à empêcher cette spirale de la haine et de la guerre civile. Voilà. Et donc, ce nous-là, qui est un nous qui n'existe pas, qui existe, c'est pas qu'il n'existe pas. Je veux dire, quand on a fait l'événement sur l'antiracisme politique, on est dans les prémices d'un nous politique, avec une partie de la gauche blanche, bien sûr. Mais c'est un nous qui est encore extrêmement faible. C'est un nous extrêmement précaire. Voilà. C'est un projet. Enfin, le grand nous est un projet. Sachant que c'est un nous qui ne rassemblera jamais tout le monde. Donc ce sera toujours un nous face à un autre nous. Il y aura toujours une adversité, et on peut quand même être suffisamment lucide pour savoir que tous les indigènes ne rejoindront pas le mouvement décolonial, tous les juifs ne rejoindront pas le mouvement décolonial, et tous les blancs ne rejoindront pas le mouvement décolonial, et je dirais même que c'est une minorité de toutes ces catégories qui feront ce pas-là. Enfin, j'espère que ce sera plus que des minorités, bien que là-dessus c'est une question d'optimisme ou de pessimisme. Bon, je ne vais pas m'avancer là-dessus. Quand on essaye de se débattre avec les questions comme qu'est-ce qui nous est arrivé, question qui me hante, enfin, par exemple, quand je parle de l'éradication des sorcières, ça fait partie de la construction de cette question-là, de ce nous qui ne sait, enfin, c'est pas qu'il ne sache pas qui il est, mais de ce nous qui doit se dénormaliser de toutes les manières, quoi. Puisque ce que nous avons été, nous blancs, c'est la norme qu'en toute bonne conscience, nous avions pour mission d'imposer à tous les autres peuples. Nous n'étions pas un peuple. Les autres peuples, c'est même une mauvaise... À ceux qui se prenaient pour des peuples, alors que nous savions que c'était des humains, enfin des anthropoïdes. Dire nous, c'est toujours très difficile. Sauf si c'est pour le problématiser, le mettre en mouvement. Mais... Là où j'ai l'impression, où j'ai envie de dire nous, c'est une idée qui me hante depuis que j'en ai rencontré cette formulation-là. Il y a une espèce de futur commun, qu'on le veuille ou non, qui est que ce que j'ai appelé en chipant l'expression à une américaine, vivre dans les ruines. De toute façon, comment dirais-je, l'époque de la monumentalité du progrès européano-américain, désormais mondial, etc., ne reviendra pas. Quelque part, on va devoir vivre dans les ruines, ça veut dire précarité par rapport aux certitudes qui devaient nous protéger, faire de nous les propriétaires de la terre. Et là, je rejoins le dernier chapitre que j'ai trouvé remarquable à la Akbar. Enfin, nous nous étions élevés, et bien nous allons être rabaissés.
L'avenir est celui de ruines, de toutes les sécurités dont nous étions fiers. Alors, vivre dans les ruines, ça peut être Mad Max, hein. Ça peut être un lieu de chacun pour soi et malheur aux vaincus, ça peut être la barbarie. Ça peut être aussi réussir à fabriquer de la vie dans les ruines. Et cet amour révolutionnaire dont tu parles, pour moi, c'est dans les ruines qu'il va se fabriquer. C'est pas les vainqueurs de... C'est pas la révolution finale. On n'est plus dans cette perspective-là de révolution finale. Non, non. C'est l'ensemble de ce qui va faire des ruines vivantes, des ruines vivables. Et ça demande beaucoup de faire des ruines vivables. Ça demande des choses qui sont dans le dernier chapitre de ton livre. C'est-à-dire l'ensemble de ce qui nous a, de nos prétentions à nous élever au-delà de la précarité des existences et des entremêlements d'existences, l'ensemble de ce qui nous a permis de, nous, nous a permis de prétendre y échapper, eh bien, il va falloir faire avec cette précarité foncière. Et faire avec cette précarité foncière, c'est peut-être ce qui réunit pour moi ce nous conjectural ou la barbarie. Alors là, il n'y aura plus de nous, il y aura moi et eux. Enfin, nous, un petit nous qui a les armes et eux... Je ne vais pas monopoliser la parole, mais comme j'étais très sensible à ta question, moi, il y a un truc, puisque c'est Auréa et Isabelle qui sont réunies, qui me parle beaucoup, c'est que vous êtes des leaders, c'est-à-dire Auréa sans doute encore plus qu'Isabelle, puisqu'il y a une démarche militante permanente, c'est un parti politique, mais vous êtes les leaders les plus antipathiques que l'on puisse imaginer. C'est-à-dire, quand j'appelle antipathique, je connais maintenant Isabelle depuis plus de 20 ans, tu crois que tu es arrivée à penser un peu difficilement et elle te refout une couche. Et toi, tu es exactement comme ça. C'est-à-dire, vous avez en commun de vouloir faire penser, mais vraiment par le haut. Et je dis ça sans flagornerie, je veux dire, je m'en fous. Je dis juste, la manière de dire « il faut », hein, parce qu'il y a un « il faut », vous dites beaucoup « il faut ». Et toi, Isabelle, « il faudrait ». Et on est là, on veut bien, et comment est-ce que... Eh ben, t'as pas encore commencé le geste qu'il y en a... Bon, et moi, je suis le travail de l'une et l'autre, et je pense que c'est la même chose pour les gens qui suivent le travail. Le fait de ne pas choisir la facilité, ça contribue aussi à rendre les choses difficiles en matière de ce que disait Nadia, c'est-à-dire... Comment est-ce qu'on va faire? Alors à Bruxelles, Isabelle, elle a un centre qui s'appelle le groupe d'études constructivistes. Donc rien que le mot, on comprend que ça ne va pas être très rapide. Hein, et dans ton livre, il y a exactement la même chose, c'est-à-dire on ne sait pas qui va construire ce nouvel homme blanc, qui vont se réveiller, etc. Mais on sait que ça doit se composer, s'organiser, et ce n'est pas... avec des déclarations de on va se lever. C'est pas, y a pas ni bonne conscience ni mauvaise conscience. Il y a à travailler, il y a à créer des agencements qui sont chaque fois compliqués et lents. Et donc ça, c'est très déstabilisant, mais c'est un compliment. Je suis très fatiguée, donc je ne sais pas si je l'exprime bien. Mais ça, c'est peut-être aussi une vertu féminine que de venir avec des propositions qui sont extrêmement complexes à élaborer et à construire, mais sans ça, il n'y a pas de proposition, on est bien d'accord. Et donc voilà, j'attends qu'il y ait des interactions, parce que si Isabelle écrit par exemple sur ce livre, il y aura forcément des réactions. Et c'est pour ça qu'il faut que ce livre, Isabelle a contribué à la vulgarisation, entre guillemets, hein, j'aime pas le mot, mais de Donna Haraway, qui était tout aussi... décrié en France, ce pays qui ne comprend, donc on a bien dit plusieurs fois ce soir, jamais rien à rien.
Donc il ne faut pas désespérer. Mais pour répondre aux militants aussi, sur ce, on parle quand même de temporalités différentes. Ce n'est pas la même chose de se faire taper sur la gueule dans un quartier ou à Bruxelles, parce qu'on est indigène. Donc on pourrait dire, oui, ça c'est des postures d'intellectuels. Ce n'est pas comme ça. C'est bien parce que la posture des indigènes, moi je pense au travail extraordinaire de Nordine à Panthère-Bruxelles, la violence que subit Nordine par l'intelligentsia blanche à Bruxelles, je ne l'ai jamais vue. Et pourtant, on n'est pas en France. Et ça, c'est parce que c'est complexe. Dès que c'est complexe, ça fait peur. Donc ça, c'est ne pas abandonner la complexité et continuer. Ça produit des choses. Voilà. Personnellement, j'étais très touchée par ton livre, Auria. Je l'ai trouvé vraiment... touchant dans la matière à penser, mais aussi dans la forme, ce qui est rare de nos jours, voilà, je voulais te dire, et je trouve que c'est sa grande force aussi. Voilà, et je trouve que quand on lit Isabelle et qu'on arrive à s'imprégner de cette pensée, on a la même sensation, quoi, d'espace de respiration. Donc, et je trouve que le débat de ce soir était à l'image de cette respiration-là, et ça fait du bien, parce qu'on a craint des petits débordements dans la journée ici au Mille Plateaux, voilà. Et on s'y attendait un peu, mais et finalement ça s'est bien passé, il fait beau, il y a des enfants qui jouent, donc je trouve que le contexte est assez exceptionnel également, voilà, et que peut-être ça augure d'un futur vivable, voilà. Donc s'il n'y a pas d'autres remarques, je propose que peut-être... Je voudrais juste, en réponse à Marianne, je trouve que dans ce livre, il y a eu un moment où j'ai eu le souffle coupé de... Elle s'est mise dans la difficulté, la, pour moi, la plus intense, parce que la question des femmes m'importe. Et la manière dont non pas elle s'en tire, parce qu'il ne s'agit pas d'échapper, mais dont tout à coup, toutes les dimensions sont brassées autrement. Ça, c'est un exemple. Quand, justement, les femmes font le choix de... Ça, c'est le thème de l'article, de ne pas humilier, de ne pas aller du côté de ceux qui humilient les hommes. Hein, et c'est un choix. Et on se dit, oui, mais elles sont toutes mêmes. Et alors, il y a cette idée... qui ajoute une dimension de plus et qui change tout, il s'agirait peut-être que les hommes se rendent compte que c'est un choix. Et là, ça change tout. Que les hommes maghrébins se rendent compte que c'est un choix qui est fait et que justement, ça ajoute une dimension de plus qui ouvre la situation. Alors qu'on pourrait dire, le choix est mortel, quoi. Pour ne pas, on se sacrifie, pour ne pas ajouter à l'humiliation des hommes. Mais non, le fait de pouvoir le dire et de le considérer comme un choix, là, c'est le devenir qui passe, quoi. Ça, voilà un exemple de complexité. Il faut que le devenir passe dans la complexité. C'est-à-dire qu'il y ait des dimensions qui s'ajoutent et qui fassent bouger ce qui vous étrangle. Merci. Merci à vous. Thank you.